Wow. La famille, avant de commencer, nous allons dire félicitations à maman Regina. Elle est en train de fêter son anniversaire et elle a décidé de fêter avec les veuves, les femmes de la communauté. Et elle est là avec papa Régis. Hey, je dis, hein? Elle est là avec le père de Regina Daniels. Et Regina elle-même en question, ils ont acheté les sacs de riz, ils ont préparé, ils ont acheté les pains, les huiles, les bastes. C'est là comme elle fait chaque année, maman. On dit que l'argent est bien. Elle a acheté les centaines de sacs de riz. Elle était là avec sa fille préférée, Regina Daniels, maman, et la femme du milliardaire. Je dis, hein? Il fallait voir la joie sur le visage de papa Regina. Les gens disent que, donc il y a eu réconciliation entre papa Régis et maman Régis. Et regardez alors comment Regina ressemble à son papa maman. Yay! Comme une goutte d'eau. Mais j'étais tellement contente quand j'ai vu cette vidéo. J'ai dit, ah, dans la vie, si là, tout c'est l'entente, hein, tout c'est l'entente, je vous assure. Parce que vous vous rappelez quand Regina s'est mariée ici, on a fait cette vidéo et j'ai dit que je ne vais même pas entrer dans les détails. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, c'est sur ma chaîne YouTube là-bas. Depuis les années, l'an 2000, je pense que c'est l'an 2020 ou bien 2000, je sais pas trop. Il dit, hein, mais les voilà aujourd'hui, parce que maman Regina a fait son anniversaire comme cela avec papa Regina. Il part te fêter avec les femmes de la communauté et tout. Voilà Regina aussi qui aide sa maman. Elle porte les sacs de riz et tout et tout. Et vous allez dans les commentaires, vous voyez comment les gens disent que, ah, maman, après tout l'argent que Regina, il dit, hein, après tout l'argent que Regina a, là, la femme du sénateur, maman, elle est là, elle porte les sacs de riz. Et les gens disaient que, mais Regina, que ça, c'est un enfant digne d'être fille de sa mère. Que dites-moi comment maman Regina ne doit pas dire que Regina, c'est son tout pour tout. Comme elle dit tous les jours, que Regina, là, c'est son tout pour tout sur terre. Maman, est accouché les enfants qui vous... Joseph, ferme ta... Mais c'est ce que maman Regina dit tous les jours. Que Regina, c'est son tout, et vrai, vrai, c'est son tout. Oui. Voilà Regina qui portait les sacs de riz. Elle aidait sa mère pendant que les gens étaient en commentaire pour dire que, yay, la femme du milliardaire, la femme du sénateur, et certaines personnes appréciaient. Même moi, j'ai apprécié que, ah, hein, même si elle est milliardaire, c'est pour elle et son mari ou bien pour les gens des réseaux sociaux. Devant sa mère qui lui a accouché, elle n'est pas milliardaire. Devant sa mère qui lui a accouché, elle a encore ce respect de sa maman, d'aider sa maman porter. C'était peut-être une autre personne. Ah, maman, hey, je vais me dire, mes ménagers vont porter et tout, mais garde du corps, ils vont porter et tout. Mais Régine était là pour porter. Il fallait voir comment elle portait le sac de riz, la maman. Je dis, hein, Régine a vraiment, elle est digne. Elle est digne d'être une fille de sa maman. Dites-moi comment maman Régine, elle n'est pas contente, maman. Hey, longue vie à toi, maman Régina. Je dis, hein, enjoy le fruit de ton quoi, comme on dit souvent à maman. Il dit que, mais à l'heure, si là, vous voyez ça comment, maman, elle et papa Regina, ils se sont réconciliés jusqu'à ce qu'ils fêtent l'anniversaire ensemble. Et waouh. La vidéo, là, ça m'a tellement plu. J'ai dit non, je vais vous partager ça vraiment pour vous présenter que non, les moments là que nous on fait, c'est déjà passé. Hein? Donc, ils ont fait la réconciliation. Ou vraiment comment papa Regina brille. Hein? Allez voir les vidéos de 2000 quoi là qu'on faisait au moment là qu'il était sorti, que oh il n'a pas mangé, c'est face à la tête de sa fille et tout. Hein? Il fallait voir ces photos au moment là, il était comme quelqu'un qui n'avait vraiment rien. Mais maintenant il faut voir comment papa Regina brille. Papa Regina est comme quelqu'un qui mange à l'argent, maman. On dit comme ça que oh, quand tu accouches tes enfants et que tu pries pour tes enfants, tu pries matin, midi, soir. Je connais les mamans qui prient, les papas qui prient pour les enfants. Il y a les papas qui, avant que tu atteignes les enfants là, que tu dois d'abord les tu dois, ils seront là devant. Mais il y a les papas aujourd'hui là, ils se disent que priez pour vos enfants, priez pour vos enfants. Voilà que maman Régine a dit que Régine a son tout pour tout comme cela, que elle prie pour sa fille tous les jours. Et vous ne connaissez même pas les autres. José ferme ta. Mais je vous dis, voilà que Régine a laissé marier un milliardaire, toute sa famille assurée, même son papa est devenu. Il dit, regardez papa Régine, les deux gouttes d'eau. Waouh. Il dit que l'argent est bien. Ah! Ah, celui qui dit que l'argent n'est pas bien, yo, l'argent est bien. Regardez Regina,
Regardez papa Regina, comment il sourit, même la joue. Et de... Non, non, maman Regina, non, tu as bien fait. Félicitations à toi, maman Regina. Que Dieu te donne vraiment longue vie de manger et de remanger, oui. Et maman Regina se logea quand il fallait l'anniversaire. Non, elle pense aux femmes de son village, elle pense aux femmes qui n'en ont pas. Les sacs de riz, là, c'est beaucoup d'argent. Hein? Elle achète les sacs de riz, les pagnes, accompagnée par sa fille préférée, accompagnée par le papa de sa fille préférée. Non, vous me dites que quoi là? Oh, maman Regina, joyeux anniversaire à toi une fois de plus. La famille, qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas surtout de me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et aussi, n'oubliez pas surtout de partager et de vous abonner sur cette page, s'il vous plaît. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. OK? Donc, dites-moi ce que vous en pensez. L'argent est bien. José parle doucement. Oh, il dit que la famille. Qui a dit que l'argent n'est pas bien? Ah! Il dit, fallait voir Régie. Non. Je suis vraiment contente pour maman Regina. Non, c'est une femme qui a vu le woyo woyo sur les réseaux sociaux. Mais ma famille, partagez-moi cette vidéo au maximum. Les choses se passent ici d'ailleurs. J'ai dit, voilà une maman qui est, on les appelle quoi? Les prophétesses de l'eau. Donc, elle célébrait son anniversaire et de là, elle allait rendre gloire à sa part de Dieu de l'eau. Donc, elle rend gloire à, on appelle ça quoi? Les mamies Watano, les sirènes, je sais pas trop. Et de là, la vidéo est tellement virale. On en parle depuis hier au Nigeria que voilà, c'est une, prophétesse de l'eau, je sais pas trop comment on les appelle. Et là, voilà, donc, comme elle célébrait son anniversaire, elle a dit, ah, pourquoi ne même pas aller rendre grâce à ma part de Dieu, qui est les mamies Wata et tout. Et là, voilà, elle a fait un gâteau chic, elle a mis sa photo et tout, et tout, et tout. Et elle arrive alors au bord de l'eau, comme vous constatez. Apparemment, elle a donné à quelqu'un d'aller les donner, comme vous voyez là. Elle se place derrière, elle est tellement contente avec les gens qui l'ont accompagnée et tout, et tout, et tout. Donc, elle est en train d'envoyer ce jeune homme aller donner aux reines de l'eau, aux mamies Wata et tout, et tout. Que voilà, elle est en train de célébrer son anniversaire, elle est venue les rendre visite et tout, et tout. Et comme vous pouvez constater, voilà le jeune homme qui est en train de partir, il ne fait que partir. Moi, Josie, j'étais là, je regardais, je dis que, mais moi aussi, je veux voir quelque chose aujourd'hui. Le jeune homme, comme vous constatez dans la vidéo, il ne fait que partir. Moi, je veux voir, est-ce que les mamies Wata, là, est-ce qu'ils vont manger le gâteau ou c'est comment? Bon, voilà le jeune homme, alors, il est en train de partir, il continue, comme vous voyez là, il va. On l'a envoyé, c'est un message. On l'a envoyé aller donner le gâteau aux reines de l'eau. Oui, comme c'est une prophétesse de l'eau, comme c'est quelqu'un qui loue les gens de l'eau, les mamies Wata, comme on appelle. Donc, elle a envoyé ce jeune homme aller les servir le gâteau d'anniversaire avec sa part de photo sur le gâteau. Le gâteau, comme vous constatez, c'est un gâteau qu'on a bien fait, on a bien décoré comme quelqu'un qui devait manger. Le gâteau, comme on dit, la maman, les choses se passent ici dehors, la famille. Qu'est-ce que vous en pensez, la famille? Il dit, depuis hier, ça se passe comme ça du côté du Nigeria. Depuis hier, les gens en parlent que, yeah, ils n'ont jamais vu. Certaines personnes disaient en commentaire que, mais c'est comment? Elle qui est la fille de mamie Wata, elle qui croit en eux et elle qui a toute cette force-là, toute cette puissance-là. Pourquoi ne même pas aller elle-même donner le gâteau à ses mères, à ses gens de l'eau? Pourquoi est-ce qu'elle vient, elle envoie qu'une autre personne? C'est ce que les gens demandaient derrière, que mais ça c'est comment ça? Et au lieu pour elle de venir elle-même entrer et aller servir ses mamans de l'eau, elle vient, elle envoie plutôt une autre personne. Qu'est-ce que vous en pensez, la famille? Oh?